s'allume, on voit quatre personnages qui tiennent chacun un oreiller blanc sur un fond noir. Donc on imagine que c'est une famille qui se réveille chacun dans leur chambre. On remarque que cette famille suit une sorte de routine et que c'est une famille relativement banale. Ensuite, on entend des bruits de couverts dans un bol. Il y a des sons d'horloge aussi qui font tic-tac. Un personnage se prépare et prend le bus pendant que toute la famille finit de se préparer. Quand on voit Grégor prendre le bus seul, on comprend qu'il est le seul à aller travailler et que c'est donc le seul à ramener de l'argent à la maison. On imagine que cette routine est fatigante pour lui. On imagine que Grégor se sent seul, malgré la présence de sa famille. Bonne nuit, Grégor ! Il en a ras-le-bol de sa vie, il est fatigué par son quotidien Bonne avec nuit. Un rythme effréné. Et à un moment, il y a un monologue, il est seul sur scène, et il répète plusieurs fois, il ne me reste que 5 ou 6 ans, 5 ou 6 ans à tenir. Je suis si fatigué. Le personnage se désarticule. On entend un t-shirt qui se déchire. On voit sa seconde peau. Et au moment de se tourner, il met un second masque. Et il se retourne vers le public en faisant des bruits d'insectes. Je me sens tellement bien de se métamorphoser. Je sais pas, peut-être plutôt agréable, je dirais. Ça dépend, pour moi c'est quelque chose d'agréable, mais si ça métamorphose négativement, c'est mauvais pour tout le monde, pour la santé, pour le monde. Mais si ça change positivement, ça peut faire des chances pour le futur. Pour vous, c'est quelque chose d'agréable, la métamorphose ? Ça dépend comment on le perçoit, ça peut être douloureux et agréable en même temps. Après, pour moi, je pense que c'est plutôt agréable, parce que c'est souvent un changement, donc synonyme de glow-up, et voilà. C'est les deux à la fois, ça dépend, ça peut être les deux à la fois, ouais, je pense. Ça dépend comment c'est fait, je sais pas comment ça se fabrique, moi. Je pense que si on n'a pas choisi, ça peut être douloureux de voir son corps changer. Je pense que c'est quelque chose d'incroyable et je sais pas. Franchement, douloureux, je pense. Ah, c'est souvent la conséquence d'un changement de vie, d'une rupture. Donc personnellement, je le verrais plutôt dans un sens négatif. Mais je sais bien qu'on peut se changer complètement pour plaisir, pour s'amuser ou parce qu'on aspire à une vie meilleure. Ça peut être agréable si on se transforme mentalement, je veux dire. Si, par exemple, on devient quelqu'un de mieux. Je pense que le moment où tu te transformes, ce serait douloureux, mais le résultat final, ce serait bien. Ouais. Parce que forcément, pour changer autant, il faut passer par des phases étranges, je pense. Thank you.
Ben, certains changements, comme, je sais pas, moi, changer de sexe ou de style vestimentaire, peut aider un individu à se sentir mieux dans sa peau ou même à se sentir soi-même. Mais le problème, c'est que chez certaines personnes, ces changements et ces goûts peuvent le rejeter de la société dans laquelle il y a beaucoup de normes et qu'il faut respecter. Si vous deviez vous métamorphoser en quelque chose, en quoi serait-ce ? Physiquement, voilà. Devenir plus musclé, voilà. Un chat ? C'est trop bien un chat. Moi je serais footballeur. Mbappé, c'est moi. Moi ce serait un tableau de la Renaissance. Un loup ? Est-ce que c'est dominant ? Et si tu devais te métamorphoser, ce serait en quoi ? Un hippopotame. Un élève de première, peut-être ? Ouais. Parce que c'est un animal majestueux et ça court vite. Un lynx. Un papillon. Un félin, je pense. Ça dort beaucoup. C'est souple et classe. Un oiseau pour voyager quand je veux et manger gratuitement au bord des terrasses. Métamorphoserai. Là, je ne peux pas te répondre comme ça de but en blanc. Je resterai une personne humaine quand même. Je préférerais peut-être plus jeune. Un médecin. Directement, sans faire les études. Et est-ce que vous pensez que vous êtes actuellement en pleine métamorphose ? Oui, je pense que je suis en pleine métamorphose parce que on évolue tout le temps. Ouais, je suis en évolution au niveau de ma moyenne générale parce que j'étais à 9,5 et là je suis à 12. Voilà. Non, maintenant on est dans la stabilité, dans la continuité. Du coup, là je pense que je suis en pleine métamorphose mentale comme je suis en train de grandir et. Encore un adolescent. Est-ce que tu es en ce moment en métamorphose ? Absolument pas. Je pense que je suis en métamorphose, oui. Après, comme on dit, la métamorphose, ça arrive à n'importe quel moment dans la vie. Et puis voilà. La 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 la